Jeudi, nous sommes le 27 août 2020. Bonsoir à tous et merci de nous préférer pour vous informer sur la maladie à coronavirus. Ce soir, nous allons évoquer avec notre invité déjà au plateau ce thème, un anti-moustique efficace contre le nouveau coronavirus selon une étude britannique comme invité. Professeur Mouneru Salou, bactériovirologue à la faculté des sciences de la santé à l'université de Lomé. Bonsoir professeur. Bonsoir Mathieu, bonsoir chers téléspectateurs. Une nouvelle découverte qui vient s'ajouter à celle déjà en cours des CSA et là à travers le monde entier. Vous avez eu vous aussi de l'information? Oui, nous l'avons lu. Il s'agit d'une découverte, comme vous l'avez dit, qui s'ajoute à la liste de ce que l'on a dans l'arsenal de la recherche de traitement pour coronavirus. Et donc, c'est un anti-moustique qui est déjà utilisé depuis toujours. Et c'est le ministère de la Défense britannique qui apporte des éléments pour encore enrichir la recherche sur les voies de traitement de ce virus. Et selon les informations, on dit c'est le ministère de la Défense au Royaume-Uni qui a cherché à évaluer l'activité antivirale du répulsif anti-insecte Mozzie Guard Natural. Ce produit a été appliqué directement sur un échantillon du virus. Oh oui, ce qui a été fait en réalité, il s'agit d'un anti-moustique, un répulsif, comme on les a dans nos pharmacies et dans certaines grandes surfaces ici. Répulsif, enfin, qui... Oui, pour chasser les moustiques. Pour chasser les moustiques. Moustiques. Et donc, je voudrais que vous imaginez même déjà de façon traditionnelle comment, avec les peaux d'orange, les huiles essentielles, on chasse les moustiques. Ici, il s'agit d'un extrait d'une plante bien connue chez nous qui est l'eucalyptus. C'est cet extrait-là qui a été utilisé in vitro pour tester l'action de la substance principale qui est un dérivé terpénique sur des virus, d'une part, et d'autre part, un test a été fait sur une peau artificielle. Une peau artificielle synthétique, oui. La test pour voir. À l'idée qu'on pourrait appliquer certainement cet anti-moustique-là sur la peau, et d'une pierre faire deux, trois coups, puisqu'on va lutter contre les moustiques et on pourra lutter contre le coronavirus. Il s'agit donc d'expériences qui peuvent être valorisées très rapidement et permettre déjà, sur les surfaces, d'utiliser par exemple ce produit pour pulvériser et détruire les postillons. Si nous sommes à un mètre au moins, c'est parce que dans ce que nous disons, nous pouvons rejeter ces postillons qui pourraient contenir du virus. Donc c'est un peu d'eau à notre moulin, mais ce n'est qu'une piste. La recherche devrait continuer, elle devait aussi inspirer chez nous ici, sur d'autres, à travers les huiles essentielles. C'est de comprendre, puisque le produit, le principe actif, c'est du citriodiol, qui est un dérivé terpénique, qui est issu d'une plante à huile essentielle. Parfait. Alors, donc on n'est pas en face d'un produit qui va traiter, en fait, d'une façon efficace la maladie chez un être humain. C'est juste pour neutraliser... Oui, et empêcher donc la transmission. La transmission, ce serait... C'est un peu comme... Je veux faire un parallèle, peut-être que... Si je vous dis l'eau de Javel détruit le virus du sida. Si vous avez du sang infecté, on mettra de l'eau de Javel. Mais si c'était aussi simple, nous devons tous consommer l'eau de Javel et demander aux uns aux autres, après un rapport à risque, de faire la toilette avec de l'eau de Javel, ce qui n'est pas possible. Ici, c'est quand même une huile essentielle. Les huiles essentielles ont des propriétés qu'on utilise. On pourra voir si déjà on peut l'utiliser pour empêcher la transmission. Ce serait quelque chose de gagner aussi, qui viendra en complément de ce qui est en train d'être fait. Alors, à l'heure où nous débattons sur ce plateau, comment se présente
réellement le tableau de cette bien de ces recherches concernant la maladie à coronavirus à travers le monde. Non, on n'a pas de traitement, c'est ce qui est dit. Il y a quelques essais qui ont été faits sur certaines molécules. Il y a une qui est prometteuse, mais qui n'est pas accessible financièrement et qui s'utilise par voie parentérale, donc en perfusion, c'est le remdesivir. Mais pour le reste, vous avez vu tout ce qu'il y a eu comme contradiction entre le lopinavir rito qu'on utilise pour le VIH. Il y a bien d'autres molécules. Il y a l'hydroxychloroquine associée à l'azithro qui, jusqu'à ce jour, reste le traitement de référence, en tout cas pour nous au Togo, mais pour lesquels, si vous suivez l'actualité aussi, il y a des avis contraires. Mais pour l'instant, on avance. La recherche vaccinale aussi fait son chemin. Il y a eu déjà des essais qui ont démarré. Vous avez entendu parler du vaccin russe. Il y a ce que les Chinois sont en train de faire, ce que les Britanniques au Brésil, il y a peut-être 2 mois, 1 mois et demi maintenant, on en parlait ici, grosso modo. Et il y a même les études africaines aussi, en Afrique du Sud, des recherches, le Nigeria, le Ghana et autres qui ont séquencé le virus pour bien le connaître. On pense que d'ici à janvier, on aura peut-être des premiers résultats. Mais on espère. On a comme impression que tout ça là traîne toujours, le bout du tunnel est très loin. Oui, mais la découverte d'un médicament, en réalité, c'est parce qu'on est dans l'urgence. Un médicament pour être mis sur le marché peut nous prendre 15 à 20 ans. C'est d'ailleurs pour cela qu'il y a un brevet pour permettre à tous ceux-là qui ont contribué, qui puissent jouir un peu du fruit de leur recherche un peu plus tard. Mais l'urgence fait que certaines étapes sont presque sautées, mais l'éthique impose qu'on tienne compte de certaines rigueurs en termes de non-malfaisance. Même si je n'apporte rien, je ne dois pas nuire. Donc ce sont ces éléments-là. Mais donnons-nous un peu de temps. Je crois que dans les laboratoires, dans les pays qui ont les moyens, les uns et les autres travaillent. Il y a un grand défi en jeu. Si c'est vous et moi qui avons la chance de faire la découverte de Corona, vous imaginez du médicament, vous imaginez ce que la suite va être. Donc tous ceux qui ont les moyens sont à pied d'œuvre. Justement, plusieurs recherches, des essais en cours pour une même cause. À terme, est-ce qu'on n'est pas affaire à plusieurs médicaments, enfin, plusieurs produits, vaccins pour une même cause là, qui peut-être l'efficacité Après, quand on a plusieurs produits qui font leurs preuves, c'est les essais cliniques qui vont permettre aussi pour ceux qui sont des médicaments à administrer pour faire des essais comparatifs, pour voir qui est plus intéressant que qui. Ça, c'est l'autre aspect aussi. C'est pas nouveau, cela existe dans le domaine de la médecine. Après, on pourrait évaluer des protocoles, des combinaisons pour voir. Mais pour l'instant, on n'a pas de traitement. Et dans tout cela, la place de l'Afrique? La place de l'Afrique est celle de l'Afrique. Et chacun, il y a au début... On ne sent pas vraiment un engouement autour de la recherche en Afrique. Non, c'est votre impression, parce que les choses sont quand même organisées. Écoute, par exemple, aux États-Unis, il y a tel test qui est en train d'être... fait essai à ce niveau en Chine, en France, en Afrique, on n'est que des preneurs. Non, on n'est pas que des preneurs. Des consommateurs à vie. Non. Il y a des travaux qui se font dans les couloirs avec les moyens dont nous disposons. Vous savez qu'il y a l'Africa CDC qui organise des réunions, des discussions, même sur la recherche vaccinale. Et vous pouvez retenir aussi, même à l'exemple de notre pays, de ce qui est entrepris au sein de l'université. On va en parler dans un instant. Voilà. Vous avez vu Madagascar, oui, qui avait donc fait parler son Covid organique. Tout le monde cherche, hein. Autant que faire se peut, chacun essaie de toucher. Bon, après, c'est quand même de la recherche qui nécessite beaucoup de moyens et qui nécessite aussi, si vous voulez, des structures existantes qui permettent. On ne peut pas, dans notre contexte, ici parler par exemple de recherche vaccinale. On n'a pas de laboratoire qui répondent aux normes. Le virus est un pathogène de classe 3. Et vous avez jusqu'à la classe 4. Et donc, il faut savoir le manipuler. C'est autant d'exigences auxquelles nous devons satisfaire. Donc on fait, ce n'est pas de la débrouillardise, mais avec les moyens de bord qu'on a.
C'est parce qu'on n'a pas les moyens ou c'est parce qu'il n'y a pas vraiment une recherche, enfin un engouement autour de cette recherche-là? Non, il y a un engouement. Parce qu'aujourd'hui, on a comme l'impression que tout ce qui se fait en Afrique n'a pas vraiment d'adhésion. C'est ce qui vient d'ailleurs, qui est mieux. On a vu avec le produit malgache, Covid Organics, qui finalement aussi, bon, voilà, et avec le produit de Valentin Agon, oui, du Bénin, également, il y a un autre, également, d'un prêtre catholique camerounais. Voilà, donc vous voyez que ce que l'Afrique propose tourne autour de la médecine traditionnelle des phytomédicaments, donc, de ce qui est issu de notre pharmacopée. Et il y a des moyens pour évaluer. Il y a un minimum. Nous sommes partis, en tout cas, si je prends l'exemple du Togo, sur la base de ce que nous utilisons déjà, que nous connaissons, qui n'avait pas trop ou pas du tout d'effet nocif pour nos populations, où l'État nous renseigne sur l'innocuité, parce que sur de longues périodes, des décennies, ces médicaments sont utilisés dans le milieu. Et sur cette base-là, quand même, sur le plan scientifique, on a des observations. On sait quelles sont les familles de plantes qui comportent des substances qui ont une action antivirale ou antimicrobienne. Ce sont ces plantes-là qui reviennent. Maintenant, après, il s'agit de comment chaque thérapeute ou praticien de la médecine traditionnelle propose sa recette. Et vous souvient que l'université a même fait une liste, par exemple, de plantes, médicaments qu'il fallait consommer comme aliments qui aidaient à renforcer l'immunité. C'est une base scientifique quand même. Et cette pathologie-là demande beaucoup d'humilité de part et d'autre. Il ne faut pas aller vite en besogne. On a vu même que les grandes nations dites développées, qui ont les moyens, ont les mêmes difficultés que nous. Donc, il ne faut pas voir l'Afrique comme ce continent-là qui n'apporte rien à cette lutte, non. Même le fait que la maladie soit moins bruyante chez nous est quelque chose qui permet d'interroger la science. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe sur ce continent-là pour que l'expression de la maladie ou la virulence soit moindre? C'est autant d'éléments de recherche et qui appellent des collaborations sur le plan de la recherche en ce moment. Parfait. Qu'en est-il, bien sûr, de ce que vous faites à l'université de Lomé? Ce que nous avons fait appel à recettes avec les praticiens de la médecine traditionnelle, il y a eu des premiers résultats qui ont été partagés, qui ont abouti aujourd'hui à la proposition d'un essai clinique qui devrait commencer sous peu. Ça tient? Oui, cet essai clinique, je vous l'ai dit sur ce plateau la dernière fois, peut-être des voies plus autorisées que la nôtre devrait encore venir le confirmer. Nous avons communiqué à l'université en disant, nous avons eu des recettes qui pouvaient booster l'immunité, nous allons vers des médicaments qui vont aider à booster le système immunitaire, à faire face, non pas seulement contre Covid-19, mais contre d'autres pathogènes aussi. Et nous sommes projetés en disant, en septembre, cet essai-là va démarrer. Et curieusement, il y a 2 semaines ou 3 semaines, à l'issue d'une émission comme la nôtre, en ce moment sur une des radios, rapidement, je pense qu'il y a eu... qu'il n'y a pas de moyens... Une mauvaise compréhension de la part des journalistes. Mauvaise compréhension de la part des journalistes ou bien parce que bon... Non, qui ont tiré des conclusions hâtives, c'est pas comme ça. Entre dit que, oui, nous ne sommes pas sûrs que ce essai commence en septembre, parce qu'on n'a pas encore réuni les moyens, ne signifie pas qu'on ne fait pas l'essai. La différence est là. C'est l'interprétation de ce qui a été dit qui a créé cette polémique. Sinon, l'université, je pense qu'elle est faite d'individus suffisamment responsables. Et si l'essai ne devait pas être fait, mais comme nous l'avons communiqué au début, les dirigeants, les autorités, les premières autorités de l'université viendront sans faux fuyant, dit à la population. Et pourquoi? Moi, il y a 2-3 jours encore où le premier responsable de notre structure, de notre institution, nous a dit
On vous attend, hein. Vous êtes à pied d'œuvre, on a dit oui, on est en train de travailler. On est en train de travailler. C'est vrai que tout ce qu'on fait nécessite comme moyen l'argent, le financement et la recherche, ça coûte. En plus, c'était ça le problème. On dit, vous n'avez pas pu trouver le financement qu'il faut pour pouvoir procéder, bien sûr, oui, aux essais. Oui, même si on n'a pas la totalité comme souhaité. Oui. Mais il y a des choses qui peuvent être faites. Et chemin faisant, on va compléter. C'est une autre possibilité. Mais là, quand vous dites que ça ne va pas commencer à... début septembre et finalement ça va commencer aussi. Je ne vous ai pas dit. Oui. Enfin, la communication qui a été faite d'abord, oui, avant qu'il y ait vraiment ce tollé là autour de... Oui, ce que moi, je veux dire. Mm. Mais attendons que le mois de septembre arrive. Le mois de septembre, c'est quand même 30 jours. Mais on est pressé là. On est face à une urgence sanitaire. Oui, on est face à une urgence sanitaire. Vous avez communiqué long. Les premières choses qu'il faut faire, oui, c'est déjà... le respect des mesures barrières édictées. Parce que la prévention, je dirais, est la mère, la première de toutes les solutions par rapport à cette pandémie. Aujourd'hui, on a comme l'impression plutôt que nos populations ne prennent plus en considération toutes ces règles qui ont été édictées, qui nous ont permis au début de la maladie d'être bien vues. Aujourd'hui, ces anniversaires, ces baptêmes, ces funérailles, ces maisons mortuaires, ces lieux de culte où tout le monde se retrouve comme si tout était normal, je pense déjà que c'est par là-bas qu'il faut commencer. Et si on le fait très bien, en ce moment, renforcer le système immunitaire va être quelque chose de très salutaire. Mais même si l'essai clinique est fait et qu'on a des résultats, c'est ce que nous voulons, et qu'on a des résultats et qu'on n'a pas de sujet qui doit prendre les médicaments, ça sert à quoi alors? On pourrait raisonner comme ça aussi. L'université n'était pas obligée. C'est vu l'urgence que l'université a communiqué. Donc nous voudrions demander à la population d'être un peu patiente. Le mois de septembre, c'est 30 jours. On peut commencer le 1er septembre. Comme on peut commencer le 30 septembre. On aura commencé en septembre. Vous avez combien de produits en essai? Oui, nous avons 3 recettes qui se sont dégagées. 3. 3. Et nous avons comme comparateur le médicament de référence que nous utilisons dans les structures de prise en charge en ce moment. Et à cela, nous avons... la chloroquine. L'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine. Et nous avons ajouté à cela un autre remède à base de phytomédicaments qui avait été utilisé pour un essai dans le cadre du VIH à l'université en 2008-2009, qui a fait ses preuves. On dit bon... peut-être qu'on peut se tromper avec ce qu'on a sous la main. Pourquoi ne pas expérimenter comme cela a été fait pour toutes ces molécules? Je vous ai parlé tantôt du remdesivir ou de l'opinavir rito, qui est utilisé pour le VIH. Donc, on a sorti ça à base de plantes. C'est un immunostimulant avec beaucoup d'antioxydants. On verra. Pour comparer 5 groupes d'individus qui auraient pris ces différents médicaments. Et à la fin, on va tirer des conclusions. Pour voir qui fait aussi bien ou mieux que le médicament de référence, ou moins que le médicament de référence. Le second? Non. C'est le tout combiné. Ça fait 5 médicaments, non. Mais chaque malade aura à prendre 1 des 5. Oui. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Pas vraiment. Je dis, nous avons 3 recettes pour l'université. 3 recettes, oui. À ces 3 recettes, nous avons ajouté 2 autres. Ok. Donc, un c'est le comparateur. C'est l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine, qui est le traitement de référence que nous utilisons en ce moment. Et le dernier, donc, c'est un médicament à base de plantes qui avait été utilisé dans le cadre de nos activités de recherche pour le VIH. Mmh. Ce qui veut dire que cette recherche-là est faite avec ceux de la médecine traditionnelle. Bien entendu, oui. C'est avec les praticiens de la médecine traditionnelle. Mais de par le passé, ce sont des gens qui ne sont pas vraiment reconnus, hein, parce qu'on dit que c'est un domaine qui ne respecte pas vraiment les normes qu'il faut. Mais finalement, ce sont eux qui, à travers le monde, quand on voit un peu ce qui se passe aujourd'hui, c'est des gens qui proposent plus ou moins bien des choses. On pourra peut-être, dans une autre émission, parler de l'origine des médicaments. Mmh.
Mais le ministère de la Santé au Togo, en tout cas, comporte la direction de la pharmacie du médicament, une direction de la médecine traditionnelle. Si vous allez au niveau du CAMES, en tout cas, dans la filière santé, il y a une section dédiée à la médecine traditionnelle pour traiter des questions des maladies non transmissibles, comme le diabète, l'hypertension, et sur l'infectiologie. Donc ce n'est pas nouveau. Et l'humilité impose que les médecines soient ensemble. Si vous-même vous allez dans la médecine dite conventionnelle, ailleurs peut-être c'est la médecine traditionnelle qui est la médecine conventionnelle. Et cette médecine que nous avons fait appel à l'allopathie et à l'homéopathie. Et notre médecine aussi utilise un peu des moyens. Tout ce que nous demandons aujourd'hui, ces praticiens de la médecine traditionnelle sont dans ce sens-là, évoluent dans ce sens. C'est d'essayer de standardiser cette pratique pour que les choses soient bien connues et reproductibles. Parce que quand vous prenez les plantes, on va faire rire, ça c'est des choses qui sont connues. Même si je vais sur Vernonia, le fameux aloma. L'aloma peut-être qui va être cultivé dans la région des lacs où il y a un peu plus de sel dans les sols, ne va pas avoir exactement la même composition que l'aloma qui va être fait dans la région septentrionale. Et si vous regardez dans même la pratique de nos tradithérapeutes, souvent vous a dit d'aller couper les feuilles très tôt le matin, sans avoir parlé à qui que ce soit, et que le soir on ne reconnaissait, parce que même la composition en substance active est fonction du nictémère, dépend de la journée, très tôt, tard le soir. Vous êtes sans ignorer que, comme on disait, les plantes font la photosynthèse, et c'est pour ça qu'on nous déconseille d'ailleurs de dormir avec certaines plantes la nuit, parce qu'en ce moment, que vous pouvez avoir des effets néfastes, ainsi de suite. Donc, c'est autant d'éléments qui doivent être pris en compte pour que le médicament qui est proposé soit un médicament dont on peut dire exactement de quoi il se compose. Et des fois, je m'amuse quand on dit un verre madère ou une cuillère à soupe. Peut-être la cuillère à soupe que vous utilisez, je vous fais 20 millilitres. C'est la soupe que moi j'utilise, fait 15 millilitres. 5 millilitres près, il y a des différences. Donc c'est tout ça qu'il faut bien harmoniser et donner des autorisations à ces praticiens. Il faut les accompagner. Alors, ce qui veut dire qu'on peut avoir une raison de croire à ce que vous faites. Si vous n'y croyez pas, nous y croyons. Sinon... On a cru, parce qu'entre-temps, quand on avait dit qu'il n'y a plus de moyens vraiment pour l'information sortait, on s'est dit, mais qu'est-ce qui s'était passé? C'est parce qu'on avait cru, hein? Oui, oui, je sais, on a compris que le peuple attend de nous, la population attend beaucoup des chercheurs, des universitaires, et c'est bien, cela nous motive d'ailleurs, et c'est pour cela que nous n'allons pas baisser les bras. C'est comme un mandat que nous avons eu de la part de la population, en disant... Nous comptons sur vous, un peu, je dirais, comme quand nos footballeurs vont... Oui. Voilà, tout le monde dans les couloirs... On vous repère officiellement les couleurs, le drapeau voilà. Du pays, allez défendre... Voilà, et vous voyez que toutes les structures cotisent, l'ONATO, sans nommer, ainsi de suite, pour apporter un soutien à ces éperviers. C'est ce que nous aussi nous demandons. Nous avons besoin de ce soutien-là aussi. Et... C'est vrai que ce n'est pas les mêmes objectifs, mais là, je dirais la mission finale est la même, qui est celle de donner la joie et la fierté à nos populations. Mmh. Et pour cela, il y a un investissement à faire. Moi, c'est comme un appel. Et pour la recherche, il n'y a pas de fond de trop. Si aujourd'hui, à travers les médias, vous pouvez organiser de sorte que nous puissions avoir des sous. Voilà tout de suite ce que le ministère de la Défense britannique a proposé. Et moi, je suis intéressé par voir si l'essence de citronnelle que nous vendons chez nous n'a pas le même effet. L'eucalyptus existe chez moi. Les peaux d'orange sont là. On les utilise dans des braises
pour chasser les moustiques. Parce qu'il y a de l'huile essentielle dedans. Mais c'est l'occasion, en termes de thématiques de recherche. Mais il n'y a pas de recherche sans financement. Donc les universités font avec ce qu'ils ont. Et c'est l'occasion. L'image est bien trouvée. Quand il y a des élections Miss Togo et autres, on a beaucoup de sponsors qui sortent ça et là pour appuyer. Quand les éperviers au niveau du football, du basket, ainsi de suite. Mais la recherche aussi a besoin de tels financements. L'information est passée, j'espère. Malgré tout ce que vous faites, il y a toujours les chiffres qui augmentent au jour le jour. C'est parce qu'on ne respecte pas vraiment les gestes barrières ou il y a un autre problème qui est là, qui demeure inconnu au monde médical. Non, je crois que pour, en tout cas pour le ministère de la Santé, au niveau de la cellule, il est clair que les populations, c'est pour cela que certaines mesures sont même revenues du bouclage de certaines villes et autres. Il est clair que les populations ne respectent pas les mesures aujourd'hui. Et même, comme dirait un de nos aînés, il y a même une façon hypocrite de porter le masque. On le détient au niveau du menton, sans le mettre. Et surtout, la distanciation sociale qui n'est plus respecter du tout. Je vous invite à faire un tour au grand marché sans indexer, mais là où on va en manger quand vous arrivez, cela va peindre les mains. Allons-y évaluer aujourd'hui tous les dispositifs de lavage des mains. Même dans certaines structures, vous vous rendez compte, vous faites attention, vous arrivez, on ne vous interpelle plus pour laver la main. Les gens sont fatigués, alors que ce n'est pas le temps de se résigner, il faut reprendre. Dès que vous sortez de Lomé, moi, je le dis, vous arrivez au village, il veut vous donner à boire, il prend le gobelet, il met de l'eau. Et pour vous rassurer qu'il n'est pas en train de vous empoisonner, il goûte lui-même d'abord. Mais c'est la tradition. C'est la tradition. Bon, malheureusement, avec ce virus à fort pouvoir transmission, il y a certaines observations. Le verre de soda qui est partagé, l'assise est là. Et avant de commencer, on va invoquer un peu les mânes des ancêtres. On donne à boire à la terre et puis après on fait le tour. C'est autant d'éléments pour lesquels il faut que nous-mêmes, chacun fasse un peu l'examen de sa conscience pour voir à quel degré il adhère à ce qui est proposé. C'est vrai que les changements, en tout cas, sont difficiles, surtout chez les humains, chez les adultes. Mais regardez un peu aujourd'hui comment ces mesures-là sont. Au début, on avait peur et aujourd'hui, comme les gens ne voient pas, il y a quand même le déni de la maladie. Pour certains, il y en a qui nous ont dit « je veux voir pour croire ». Est-ce qu'il n'y a pas temps de revoir un peu les mesures barrières? Parce qu'on a quand même l'impression que ça fatigue les gens. Hein? Même le port de masque, on sait que peut-être à l'entrée de certains marchés, par exemple, on les porte une fois à l'intérieur. On met ça de côté. Dans certaines entreprises, c'est la même chose pratiquement. Est-ce qu'il n'est pas peut-être bien de revoir? Mais revoir, c'est des mesures qui sont simples, hein? Mais c'est nous qui ne sommes pas encore enclins à bien les mettre en pratique. Et la question que vous posez maintenant, c'est quoi l'élément freinateur? Qu'est-ce qui nous empêche de bien porter, de bien suivre ces mesures? Il y en a aujourd'hui qui vous diront non, mon père était un patriarche, il est décédé, il faut que j'organise des funérailles grandioses. Et c'est l'occasion où... Alors que quand vous regardez au niveau des autorités, si vous faites attention, beaucoup d'événements à caractère où on devait rassembler ont été tous suspendus. Il n'y en a plus. Les grands rassemblements, non. Mais c'est au niveau de la population. Et puis peut-être maintenant, il faut qu'on regarde aussi un peu du côté des leaders d'opinion, des élus locaux qui reprennent un peu le bâton de pèlerin pour sensibiliser davantage. Peut-être qu'il y a eu la lassitude. Peut-être que la population est un peu fatiguée et peut-être que nous sommes un peu victimes d'un semblant de succès qu'on a eu parce qu'on n'avait pas beaucoup de cas, la maladie était bien contenue, ce qui a fait que les uns et les autres ne se sentaient plus trop concernés. Nous avons une force antipandémique qui est là, qui doit, selon nous, rentrer dans une fonction de grande pédagogie
expliquer, réexpliquer aujourd'hui. Peut-être que cela va nous aider, mais c'est des stratégies à revoir peut-être en termes de communication. Je suis sûr que c'est des questions qui se posent. Depuis le 25 dernier, on a bouclé Tchamba, Sokodé, Sotchoubwa, dans tout ça ensemble. Et puis, on vient de nous informer, enfin, le site d'information, l'informateur.net, dit que dans les prochains jours, bon, on peut assister aussi au bouclage de la localité d'Assoli et de la Kosa. Oui, c'est... Qu'est-ce qui se passe-t-il? Non, c'est parce que le nombre de cas augmente. Et donc... Et quelle est la réelle cause? Entre-temps, on parlait bien sûr de la fête de Tabaski, peut-être dans la région centrale, mais bon... Oui, ça suffit déjà pour que, après cette fête-là, s'il y a eu des cas de transmission, et je ne veux pas le scénario catastrophe comme ce qui s'est passé à Bergame quand il y a eu ce match de football. Et c'est ce qui se relaie. Et comme les lieux de culte sont ouverts et que les gens ne respectent pas la distanciation... Ils organisent les mariages, ils organisent les baptêmes. C'est des occasions qui contribuent. Dans tous les cas, avec la reprise des activités, il était clair que le nombre de cas devrait augmenter. Mais si cela se fait à une vitesse vertigineuse, il faut rapidement faire des bouclages. C'est ce que nous avons fait dès les débuts et qui ont donné de bons résultats. Je me rappelle, sur une des antennes, nous disions qu'il n'était pas exclu que si la population n'était pas disciplinée, c'est vrai qu'il faut vivre. Mais rien ne dit qu'à un moment donné, les autorités ne peuvent pas revenir sur des mesures de couvre-feu. Et c'est ce qui est en train d'être fait plus ou moins sur les zones où on pense que le nombre de cas augmente. Et donc, il faut aller sur des mesures un peu plus fortes pour permettre de stopper la transmission. Et justement, parlant bien sûr de ces mesures fortes pour peut-être mieux contenir la contamination, le gouvernement a décidé de refermer les lieux de culte à Sokodé, Tchamba et Sotchoubwa. Oui, simplement. C'est-à-dire, il faut visiter ces lieux de culte, il faut voir la pratique pour comprendre. Pour comprendre. Il y a certains lieux de culte où c'est respecté, et il y en a où... Pendant qu'on parle de distanciation, si les gens doivent se mettre en rang serré, ça vous dit quelque chose qui fait rire pour les musulmans, où dans l'acte d'adoration, à un moment donné, vous portez le front au sol. Et donc, le T du visage touche le sol. Si chacun ne vient pas avec son tapis, s'il s'avérait que moi, j'avais le virus, quand je les dépose au sol, mais dans les minutes qui suivent, tous ceux qui vont venir à ce même endroit vont être contaminés. Je ne dis pas que c'est le cas, mais il faut que nous imaginons tous les scénarios possibles. On demande aux gens de mettre le cache-nez, ils ne le mettent pas. Et donc, et là, c'est comme si vous venez vous coucher dans un lit de quelqu'un qui est infecté. Et quand vous partez de là, en moyenne, par famille, il y a combien d'individus, de voir rapidement comment la propagation se fait. Ce n'est rien d'autre que ça. Et aujourd'hui, il est bien admis qu'avec l'évolution de la pandémie, le virus a muté. Peut-être qu'en termes de virulence, la virulence a légèrement diminué, mais sa capacité à être transmise a augmenté. Il y a une étude juste en début de semaine sur la diversité génétique qui l'a montré. Et comme les individus sont asymptomatiques, c'est d'ailleurs pour la population, c'est l'élément le plus dangereux. Il n'y a aucun signe. Pendant ce temps, il propage la maladie. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui tousse, qui dit non, mais vous allez faire attention tout de suite, sans être médecin, vous dire, mais tiens, les signes qu'il décrit ressemblent à les signes de la maladie, vous allez même l'aider à aller vers une structure de prise en charge. Pour dire, va voir si ce n'est pas un cas de corona pour qu'on puisse le prendre en charge. Mais quelqu'un qui est asymptomatique, qui ne se sait pas malade, il est dangereux pour lui-même et pour la communauté. Alors, depuis le cas Indes, le 6 mars dernier, on a noté un peu plus d'une quatre-vingtaine d'agents médicaux contaminés à cette maladie. Aujourd'hui, on parle aussi d'un autre nid au niveau de la CASEF, qu'un homme aussi important
contaminé au coronavirus. L'information là est vérifiée ou bien c'est du fake news? Non, il y a eu des clusters. Vous avez parlé de CASEF, rapidement contenu, puisque district par district, la région du Grand Lomé s'en occupe. La désinfection a eu lieu. En milieu de soins, c'est vrai que depuis le début, le nombre d'agents de santé va croissant. Mais en interne, c'est les mêmes choses. Il y a la lassitude, il y a le retard pour les patients à venir dans les lieux de soins. Et quand ils viennent dans un état grave. Cela, le personnel soignant est humain. Et dans l'exercice de nos fonctions, certains de nos collègues, malheureusement, ont pu se contaminer, mais d'autres aussi sont de la santé, mais ne sont pas contaminés sur le lieu de travail. Ça, et donc, c'est de revenir surtout aux questions sur la distanciation. Et comme je dis, c'est valable. Même en milieu de soins, à un moment donné, il y a eu un peu de lassitude. Et on posera le problème des équipements de protection, surtout le masque, j'allais dire filtrant, le N95 ou le FFP2, qui est un masque qui n'est pas aussi disponible que le masque chirurgical, où toutes les structures de santé font des efforts pour s'en procurer. Et en ce qui concerne la lutte, la coordination fait comme elle peut avec le stock qu'il y a à doter ces structures-là. Donc souvent, dans ce mécanisme-là, il peut y avoir quelques retards parce qu'il faut s'arranger pour que l'entièreté du pays puisse bénéficier. Il faut être équitable dans la gestion de ce matériel-là. Mais en même temps, il faut que les agents de santé respectent en premier les mesures barrières et petit à petit les choses. Vous savez, en santé publique, des fois, il faut que le problème se pose pour qu'on comprenne bien la bonne approche des solutions. Et je crois que nous sommes à cette phase en ce moment. Il faut renforcer la prévention auprès des agents de santé, revenir sur l'identification des cas suspects pour éviter que la maladie se propage au sein du personnel soignant. C'est un défi. Mais donc, on pense qu'il serait peut-être bien d'appliquer la chimiothérapie pour vous qui êtes bien sûr du domaine, vous qui êtes bien sûr proche de ces malades-là pour éviter la contamination aussi en masse. C'est peut-être une possibilité, mais pour l'instant, parce qu'il y a eu, j'ai vu des études américaines dans ce sens, mais pour l'instant, n'oublions pas que les médicaments que nous utilisons, les chimiothérapies, ne sont pas que pour coronavirus. Okay. Vous avez un antibiotique dedans, donc il faut faire l'usage rationnel de cette molécule-là, sinon très rapidement, on va aller aussi à l'émergence de résistance et cette arme va être perdue. Tout doit être dans la mesure, tout doit se faire de façon optimale. Parfait. Aujourd'hui, on conseille à tout le monde, que ça soit au Togo, au Bénin, au Ghana, bref, en Afrique ou dans le monde entier, le port systématique des masques. Mais il y a un réel problème qui se pose à côté, la qualité de ces masques-là. Il faut les porter parce qu'il faut... C'est une urgence où il faut aussi veiller à la qualité de ces masques-là. On a comme impression que ces masques-là sont tout simplement là pour visiblement protéger le nez et puis la bouche. En réalité, le danger est là. La contamination y est. Non. En tout cas, pour le cas du Togo, qui est notre pays, une cellule a été mise en place pour le contrôle de la qualité des masques, des solutions hydroalcooliques qui travaillent, qui inspectent les lieux et les structures, les ONG qui fabriquent ces masques-là se sont conformés aux standards de fabrication. Pour ce qui est des masques chirurgicaux qui sont vendus, logiquement, quand vous-même vous les acquérez, vous les portez, vous pouvez aisément distinguer le bon du mauvais. Il y a une catégorie de masques comme
masque, voilà, un masque chirurgical. Bon, c'est ce que j'utilise depuis le début de la pandémie. Nous n'utilisons que le N95 que lorsque nous sommes en milieu de soins. Mais on a recommandé des masques artisanaux pour lesquels une des recommandations, c'est l'hygiène de ces masques. Il faut les laver en les trempant. Par exemple, de l'eau javelisée. Et puis après, vous les séchez. Pour ceux qui ont la possibilité de mettre un fer à repasser, un fer chaud là-dessus, c'est bon et on reprend. Sur le problème aujourd'hui, on voit un peu de et tout. Hein. Oui, et peut-être c'est dit que pour autre chose, ces masques aident énormément. Déjà, même dans la transmission d'autres pathogènes. À cette période, habituellement, les pharmaciens vous diront les taux de consommation de médicaments pour le traitement de la toux, de la grippe saisonnière. Des grippes saisonnières. C'est en ce moment que ça flambe, on fait corréler avec la présence du maïs. Mais cette année, faites avec le maïs. Le nouvel igname, mais il n'y a pas de cas. Ces masques ont un rôle. Jouent un rôle. Moi, je suis peut-être dans cet adage qui dit lorsqu'on veut accuser son chien. Et lorsqu'on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Et donc, portons les masques. Portons les masques. Laissons ceux qui ont à charge de contrôler la qualité des masques faire leur travail. Parfait. Alors, nous en débattons sur ce plateau, on a ouvert l'aéroport international Yassine Bey demain de Lomé. C'était le premier dernier, on est au 27e jour. Et tout va bien, selon les statistiques qu'on a eues, ça et là. Quand on écoute le directeur de l'ANAC, le colonel Latayama, tout va bien. Mais à côté, il y a un autre débat qui s'est fait comparativement à ce qui s'est fait au niveau de l'aéroport, les frontières terrestres, qu'on a fermées officiellement et officieusement. Il y a des voies détournées qui font passer des gens au jour le jour. Et ça peut être aussi des vecteurs contribuant, bien sûr, à cette contamination en masse. Bien sûr, c'est pour cela que nous comprenons que les autorités n'ont pas encore décidé de l'ouverture des voies terrestres. Il faut déjà faire l'expérience de la voie aérienne au niveau de l'aéroport, maîtriser bien ce qui s'y passe et après répliquer dans la mesure du possible, ne serait-ce que sur les grandes frontières terrestres. En attendant, donc il faut être mesuré dans la gestion de cette pandémie et aller crescendo. Donc, pour les frontières terrestres, on en a encore pour longtemps. Je ne saurais me prononcer sur le délai, mais ça finira par arriver. Mais déjà, il faut faire le point sur ce qui se passe à l'aéroport, voir que le système est déjà bien huileux, bien en place. Mais les réalités sont bien différentes. Et quand on sait que, par exemple, l'aéroport international Yassine Bey Adama, il est l'unique à Lomé. Au nord, on a aussi l'aéroport de Niamtougou. Oui. Mais pour les frontières terrestres, on en a tellement. Non, c'est pour la proposition des tests. Oui. Comme quand les gens arrivent, il faut les tester. Oui. Faisons déjà cet exercice-là. Tirons les leçons. Comme vous l'avez dit, après un mois déjà, quels sont les acquis, quels sont les défis à relever. Et puis après, c'est parce que on pourra répliquer, peut-être non pas à l'identique, mais au niveau des gros postes frontaliers, parce que, comme vous l'avez dit vous-même dans vos propos, que la frontière soit fermée ou pas, les gens trouvent des moyens pour aller et revenir à travers les frontières terrestres. Vous n'allez pas placer à chaque un mètre de nos frontières un policier ou un gendarme. Ah non. Voilà, donc, il faut réfléchir, bien réfléchir pour proposer une mesure et voir si c'est le gros site qu'on arrive déjà à tamiser, on pourra, avec ce qui est fait en ce moment, gérer. Professeur, Salou, c'est déjà la fin. Je vous en prie. C'est une émission pour éclairer la lanterne des uns et des autres. Je pense que nous avons essayé. Merci beaucoup à vous, professeur Mounero Salou. Je rappelle que vous êtes bien sûr bactériologue, virologue à la faculté des sciences de la santé à l'université de Lomé. Un clin d'œil à tous ces confrères-là qui travaillent au jour le jour. Je veux nommer certains. Gilles Cossé Junior à la radio Plein Plus à Kualimé, VGKFM Malis Magloire, parce qu'ils sensibilisent beaucoup dans cette région-là pour ceux-là qui passent par des frontières au niveau de Clomayondi, Yévié-Pé, ses consorts pour être à Kualimé. La voix de Daï, parce qu'il y a aussi Aron qui est
à de un mètre du Ghana. Et aussi, la voix de Tado. Vous savez que Tado, c'est... Il y a Tado du Bénin, Tado du Togo. Donc, c'est une localité frontalière. Également, à Pagouda, au nord du pays, il y a aussi des entrées là-bas. Au grand nord du pays aussi, dans les savanes aussi, on a des frontières. Messieurs, mesdames, veillez au grain, puisque vous savez bien sûr le fait, déjà vous le faites bien. Continuez, la lutte continue jusqu'à là, à ce qu'on trouve le vaccin qui peut décanter la situation. Très bonne suite de nos programmes à vous tous. Derrière nous, c'est le journal. À très vite.